Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un haul, un mini haul. Vous allez voir, il n'y a pas un million de choses. Moi de toute manière j'aime bien faire des hauls rapides et efficaces. C'est parti. Je vais commencer tout d'abord parce que j'ai acheté chez Zara. Et en fait j'ai acheté qu'une seule chose chez Zara. J'ai acheté ce pull, je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est un pull manche 3 quarts, un truc comme ça, qui est tout doux. Oh, j'aime trop. Il est aussi doux qu'un plaid. Il m'a coûté 16€, un truc comme ça. Il est vachement loose, il est vachement large quoi. Moi je le rentre dans mon pantalon. Mais ouais, il est vachement large et tout. Là il y a une grosse poche comme ça. Enfin ouais, franchement il est trop confortable et tout. J'aime trop. Ensuite on va passer à ce que j'ai acheté chez Primark. D'abord j'ai acheté un jean noir taille haute parce que ça faisait trop longtemps que je cherchais un jean noir taille haute. Et il coûtait vraiment pas cher, enfin Primark. Il est vraiment tout simple, on va pas se le cacher. Voilà. C'est un jean noir. Ensuite j'ai acheté un pull. Alors comment vous dire, voilà, il est vachement près du corps. Genre il colle en fait au corps de ouf. Et voilà, c'est un pull avec un col qui monte hyper haut en fait. Sauf qu'en fait je le retrousse, je sais pas comment on dit. Et du coup ça fait un col ouais normal qui arrive là. Ensuite j'ai trouvé un troisième truc. C'est un collier rose gold, je vous ferai un close-up, enfin je vous le montrerai de plus près parce que bah là ça vous parle pas comme ça. Passer à des choses que j'ai acheté chez Sephora. Je l'ai acheté, on me l'a offert, donc voilà voilà. D'abord il y a une poudre compacte matifiante 8 heures, donc en teinte médium. Donc en fait je sais pas pourquoi, enfin en fait dans le magasin Sephora quand j'ai regardé ma teinte et tout c'était nickel. J'aurais dû prendre la plus claire, je sais pas pourquoi j'ai pris la médium. Si vous cherchez une bonne poudre, je vous conseille celle de chez Sephora, voilà, parce qu'elle est vraiment bien. Un rouge à lèvres liquide mat que j'aime trop, et d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui pour celles qui demanderaient. Numéro 13, des rouges veloutés sans transfert, donc de chez Sephora, et franchement ces rouges à lèvres là, enfin, ils sont trop bien. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais voilà, ça c'est mon rouge à lèvres préféré, je l'aime trop. On va passer à deux partenariats, donc un avec la marque Huda Beauty. Donc tout d'abord, j'ai reçu le fameux liquid lipstick matte. J'ai reçu la teinte Famous personnellement, donc c'est un bordeaux hyper foncé. C'est un rouge à lèvres vraiment hyper foncé, c'est limite s'il tire pas sur le noir en fait. Du coup pour vous parler de ce rouge à lèvres là, franchement je suis pas fan. Au niveau de la tenue, franchement c'est une tenue, enfin vraiment elle est pas top quoi. Mais les rouges à lèvres ils partent pas tant que je mange pas. Alors que lui il est parti alors que j'avais même pas mangé. Donc je me suis dit ok, j'imagine même pas ce que ça fait quand on mange. J'ai également reçu le lip contour, donc qui va avec le rouge à lèvres mat. Et c'est également le Famous. Pareil que celui là en fait je les ai mis en combo, je les ai mis ensemble. Bah ça tient pas des masses quoi. C'est dommage parce que ces produits sont quand même assez onéreux. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu les fameux fossiles Huda Beauty. Donc ça par contre je suis vraiment désolée mais je les ai pas testés, j'ai pas encore eu l'occasion de porter des fossiles en fait pour tout vous dire. Donc voilà, je pense que c'est le genre de truc que je porterai à Noël ou à Nouvel An ou des trucs comme ça, je me ferai un petit kiff. Voilà, lol. Du coup j'ai reçu la colle à fossiles et les fossiles, donc les fossiles que j'ai reçus c'est les numéros 7 et c'est les Samantha. Donc voilà, ils sont vraiment beaux, ils sont très longs, très volumineux, très denses, voilà, bref. Donc voilà, on verra bien, je vous en reparlerai peut-être si je fais un maquillage de Noël ou des trucs comme ça, je les porterai sûrement. Donc voilà. Ensuite j'ai reçu deux produits Black Up, donc deux rouges à lèvres mat. Black Up j'avais déjà testé, j'avais déjà reçu un jumbo et je l'avais trop aimé ce jumbo là. J'ai reçu la teinte numéro 1. Et la teinte numéro 6. La teinte numéro 1 c'est un peu un nude marron, il est vraiment trop beau. Le numéro 6 c'est un bordeaux un peu et il est vraiment très beau aussi. Et franchement pff, ces deux là, la tenue, la pigmentation, tout c'est un truc de ouf. Donc les produits Black Up je vous les recommande vraiment. Tout le monde c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vous laisserai les liens des produits en barre d'infos. Et voilà, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.